Bon matin, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 6h54, puis je suis levée depuis 5h30. Je suis allée prendre ma douche. Après ça, ma fille s'est levée, puis qu'on s'est réveillée. Puis là, je vais vider le lave-vaisselle, puis le remplir. Puis on va se préparer, puis moi, j'ai envie d'aller déjeuner. Aujourd'hui, j'ai reçu mon argent d'impôt. J'ai pas reçu grand chose. Je ne sais pas ce que je vais manger, ce que je vais avoir envie de manger. Je prendrai pas des crêpes cette fois-ci parce que j'ai pas aimé les crêpes la dernière fois. Mais on va sûrement aller au Normandin sur Bastien. Parce qu'après ça, je vais aller chez Jean Coutu. Les cours sont en spécial. Mais on partira pas. Toute la journée, là, on va juste aller déjeuner, aller acheter des couches. Tout chez TGR. Soit je vais aller déjeuner chez Normandin ou au resto aux délices. Mon nouveau chandail que je me suis acheté, c'est lui, puis il est déjà taché. J'ai échappé du fromage sur mon chandail. J'ai mis du détachant, puis regardez. Je ne sais pas si on peut voir, mais il y a encore trois taches. Ça fait chier. Peux-tu descendre? On va essayer de starter une brassée de lavage au moins. Pas une brassée de lavage, mais une brassée de vaisselle. Mon chum, je ne sais pas pourquoi son trip, c'est de laver la petite mopette dans le lave-vaisselle. Si elle est sale, on la jette pour en prendre une autre. That's it. Ou si elle est maganée, sinon on la lave dans l'huile. Hier, c'est ça, on a mangé des tacos, puis les tacos, ils m'ont comme resté sur le cœur. Faut que je fasse le ménage du frigo aujourd'hui. Je vais faire un tour à l'épicerie, puis mon chum aussi. On s'est acheté des choses sans se dire quoi. Je vous montrerai mes achats à mon retour. Depuis qu'elle veut qu'elle chignole. C'est levé parce qu'elle a mouillé son lit. La couche, elle a débarqué. Les fameuses couches du... Le choix du président, c'est de la merde. Fait que moi, tantôt, après avoir été déjeuner, je m'en vais m'acheter des pampas. On a changé nos produits dangereux de place. On a mis nos pastilles à la vaisselle dans ça ici. Super. C'est facile à ouvrir pour nous, mais pas pour les enfants. Mais qu'elle revienne, elle va restaurer une autre brassée de vaisselle. On va vider et on va remplir. Je vais essayer de vous mettre un vlog en ligne aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais essayer. Mais je ne garantis rien. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 1h13. On est arrivé à la maison depuis quelques temps. Ça fait peut-être depuis... midi et quelques, on est ici. Je suis allée faire des petits achats. Je suis allée déjeuner avec ma fille chez Normandin, sur Bastien. Puis par la suite, je suis allée au TIC Géant, au Jean Coutu. On est revenu ici à la maison. Au TIC Géant, je me suis trouvé trois morceaux de vêtements. Je voulais m'en trouver plus, mais ma fille n'était pas du monde, mais pas partout du monde. Fait qu'elle était mal commode, elle ne criait pas, elle pleurait. Elle faisait que pleurer, fait que... Ouais. Fait que c'est ça, puis je vais vous montrer vite vite mes achats d'aujourd'hui. Puis hier dans un jardin, puis après ça je vais aller coucher la petite madame. Fait que hier je suis allée chez dans un jardin. Pour deux choses. Je
suis allée me chercher une brume pour le corps citron bambou. Comme ça. Elle était en spécial avec 40% parce que c'est une édition limitée et elle était discontinuée. Ensuite, j'avais besoin d'une crème à main parce que j'ai quand même les mains secs. Ça dure 30 minutes, il faut que je me remette là, mais il y a une crème, c'est une crème. J'ai pas trouvé la crème miracle encore. Ensuite, ça fait que la crème à main, j'ai pris romarin et cerise. Elle était à 9 $. Puis, vu que je travaille chez Allô Jean Coutu, j'ai acheté des pistaches à lait grillé. J'adore ça. Des couches. J'ai eu mon impôt un matin. Ensuite, des jujubes Kenju. Fait que c'est tout chez Jean Coutu. Chez TGA, j'ai racheté ça. Tu l'as mangé un matin. On va faire le dos après. T'en as juste la moitié aujourd'hui. Tu l'as mangé tantôt. T'auras l'autre de petite lèvre. OK? Oui. Va sur le divan ou va dans le salon. Ensuite, j'ai acheté des piments. C'est 2,88. Désolée, puis l'éclairage, là, il est à chier. Le pain, là, il est tellement bon, puis il est 2,99. J'aurais dû en acheter deux pour en garder. Une petite poule, puis j'avais envie de chocolat. Un œuf Gabberry, puis j'avais envie de chocolat. Puis des mini-eggs. Ensuite, je me suis trouvé des bobettes. Moi, okay, j'étais due pour renouveler mes bobettes. En passant, je suis en train de vous mettre un vlog en ligne, le vlog du 26-27 mars. Fait que, les petites bobettes. Il était 5 $. J'en ai profité. Celui-là, il était 2 $. J'en ai aussi profité. Ça. Ils m'ont fait quand même assez longtemps pendant la grossesse. Puis, celui-là, j'ai trouvé vraiment bien. Ensuite, il me suis trouvé 3 chandails. J'y suis allée avec ma grossesse un peu pour voir qu'est-ce qu'il va me faire cet été. Fait que j'ai pris. Ce chandail-là, je le trouvais beau quand même, il est turquoise. J'essaierai de vous montrer une fois sur moi. Ce que j'aime, c'est qu'il est plissé sur les côtés. Fait qu'enceinte, au moins, on voit bien la bédaine quand c'est plissé sur le côté. Ça permet que ça soit un peu plus lousse, un peu plus grand. Ça ressemble vraiment à un chandail qu'on a chez Marie-Claire. Marie-Claire, je le trouvais court. Un chandail comme ça. On voit vraiment bien qu'on voit la bête déjà. Mes 3 chandails étaient 14 $ chaque. Et pour terminer, comme une camisole tunique. Comme ça. Elle est vraiment jolie. Fait qu'avec des culottes noires. Ça va faire. J'ai tout pris à peu près du. Comme celle-là, j'ai pris un X. Ça, c'est un 2X. Puis ça, c'est un 2X. C'est ça pour le moment. Fait que moi, je vais vous reparler un peu plus tard. Ciao la gars.